Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la société GBFKE. Donc cette vidéo sera en deux parties parce que la connexion chez moi elle est pas au top. Donc en regardant à l'intérieur, je vois qu'il y a 9 petits paquets à ouvrir. Donc on va déjà commencer par en ouvrir quelques-uns. Voilà. Donc le premier colis. Mes ciseaux, désolé pour le bruit. Alors, c'est la première fois que je commande dans cette société. Ah oui. Donc, le kit complet. Comme d'habitude, les sachets, donc c'est des ronds, je ne sais pas du tout, je ne vais pas regarder si c'était des carrés ou des ronds à chaque fois. Et voici la première, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une petite girafe un peu rigolote pour mon fils. Voilà. Bon. Parfait. Donc c'est une 30 par 30 et il y a 16 couleurs. Passons à la suivante. Donc. Oui, c'est des perles rondes, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc la deuxième, une 30 par 40 aussi. Donc toujours pareil. Des diamants ronds. Voilà. Et donc, celle-là, c'est parce que je l'avais vue sur ici. Elle me plaisait bien. Donc je ne sais pas si vous la verrez correctement. Ça va à peu près. Voilà, un petit nounours avec une citrouille. Ah. Voilà. Donc, tout au mini aussi. Ouvrir la troisième. Donc cette commande-là, je l'ai reçue en 14 jours. Ils sont relativement assez rapides, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Ah, c'est Bambi. Donc, toujours pareil. Hein. Bah, je suppose qu'ils font que des ronds. Alors, je ne sais pas, pas dire des bêtises. C'est encore des sachets ronds. Et donc, c'est Bambi. La colle, elle me paraît un peu bizarre, vous le voyez peut-être là. Donc, un petit Bambi. Et donc, l'image là. Voilà. Donc, ça doit être à peu près la même taille que les autres, je vois pas la taille. Donc, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, donc on va en ouvrir encore une et je pense que pour la première partie de vidéo ce sera déjà pas mal parce que chez moi 5 minutes de vidéo ça met 2 heures à télécharger pour YouTube donc je vais pas trop mettre longtemps. Puis je voulais quand même vous faire découvrir ce que j'avais reçu en même temps que moi. Ah, ben celle-là, elle est emballée. Donc, je
si à chaque fois c'est... Hop, ça tient bien. On va forcer un peu. Ah oui, celle-ci. Ça fait des mois et des mois que je la vois et je me dis, il faut que je la prenne. Pas d'autre solution. Vous avez déjà dû la voir aussi. C'est la fille, je pense, de qui fait partie de Lilo Stitch. Je vous la montre un petit. Voilà, celle-là est toute mimi. Je suis très pressée de la faire parce que ça fait vraiment un moment que je la vois et puis que je la trouve magnifique. Donc c'est pareil, il n'y a pas la taille dessus, mais je pense que c'est comme les autres. Bon. On va la ranger aussi. Voilà. Bon, ben voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On fera la partie 2 dans pas longtemps, je pense. Je pense que je vais vous mettre une autre vidéo entre-temps parce que je voudrais bien commencer l'étoile de Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!